Salam alaikum le service, bienvenue à la TV de Tata. Super, la meuf a commencé à filmer la Jane Rougeur. Super, on adore. Donc je vais mettre mon bandeau. Bonjour mes petits arbis, j'espère que vous allez bien. Ça me gonfle, mais ça me gonfle. Louloulou. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Faut essayer de garder le moral, c'est pas évident du tout. Parce que franchement, il y en a marre. Voilà, buenos gracias, tandei. Donc on est parti, aujourd'hui j'annonce la couleur avec mon petit haut. J'ai envie d'orange, je sais pas forcément s'il ira avec ce make-up, mais j'ai envie d'orange. Donc on va partir sur un orangé, tu vois. Je vais improviser parce que voilà, le make-up d'hier m'a assez traumatisé pour que je retente de reproduire quoi que ce soit dans ma carrière. C'est le truc, c'est le tube qui a fait du bruit, c'est pas moi. Donc pareil que d'habitude, SPF 30, Lidl. Franchement, celui-là, il est top. Et il y a une sahbi qui m'a dit, il faut le renouveler toutes les 2 heures. Oui, mais ça, vaut mieux mettre ça que rien, en fait. Et j'ai un spray Bioderma que tu peux remettre par-dessus ton make-up, si besoin. Donc ça, ce spray, il est génial parce que ça t'envoie une fine brume qui te reprotège pour un certain temps. Donc c'est formidable. Après, je vais mettre mes deux produits sans part que je vous parle depuis un moment, là. J'aime beaucoup. C'est un anti-cerne transparent qui me fait du bien, donc je le mets. Tac, celui-là il est génial, surtout quand on le met au frigo. C'est le Age Antidote Merveilleuse Roll-On. Donc oui, je sais, j'ai pas été aller l'autre, mais j'ai envie de me maquiller. Et puis il est déjà 2 heures, faut que je me magne le fion, parce que après je vais filmer mon sport, je vais faire les montages, il y en a pour au moins 2h30, donc voilà. Voilà tous mes petits arbres. Donc ensuite, aujourd'hui, je vais mettre la Perfect BB Crème de chez Misha. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, elle est top celle-là. Donc je l'applique et je reviens parce que ça fait 10 fois que je vous montre. Il n'y a aucune utilité là-dedans. Ouais. Donc ensuite, je prends le Benefit, le contour concealer Benefit. J'en mets une sacrée tartine ici, 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 ici. Voilà, ici, pourquoi pas. Ici, écoute, allons-y quoi. Donc j'ai fait comme d'habitude le blush in, le bronzer Maybelline que j'adore. Et je me rends compte que j'ai mal estompé. Et la peau Dior cosmétique. Donc je vais réestomper un peu ici parce que ça fait là. Donc on passe aux yeux les filles. Alors je vais reprendre la palette Carnival Pro. Oh, Carnival Pro palette parce que je la kiffe tout simplement. Elle est incroyable cette palette encore une fois. Et je vais venir, aujourd'hui j'ai envie de couleur, je vous préviens. Donc on va mettre de la coloration dans la paupière mobile. Je vais prendre en premier, est-ce que je prends du jaune? Oulé là, ouais, je vais prendre du jaune et je vais le travailler. Je vais mettre la dose, tu vois, je vais le travailler ici. C'est vraiment pratique d'avoir le miroir en face, c'est un plaisir sincèrement. Donc je vais être à le jaune ici là. Donc, est-ce que je prends du rose? Après, on est des fous. Aujourd'hui, on n'est pas des fous. Vas-y, on est des fous. Je prends celui-là, là. Je vais en mettre ici, là. Bon, pour l'instant, je m'auto-félicite. Parce que franchement, j'adore ce dégradé des couleurs. Il est merveilleux. Donc, ensuite, le choix des couleurs va être très difficile. Bon. Qu'est-ce que je vais mettre en quoi? Je vais mettre du marron. Parce que j'avais décidé tout à l'heure de mettre du marron. Ouais, je vais mettre le... Donc ensuite, dans quel bourbier je me suis foutu encore? Je vais mettre... en coin externe, je vais mettre ce orange, le Goodbye. Du coup, j'ai reporté les couleurs en ratil. Là, je vais venir estomper un peu les bords. Ici, là. Et je pense que je vais rajouter une touche de quelque chose en coin externe pour réchauffer un peu le toutim. Je vais prendre ce marron, le haul, pour accentuer le coin externe. Que caliente! Super chouette couleur, franchement, je suis fière de moi. Par contre, je vais rajouter du jaune après.
Donc on en est là, j'aime beaucoup franchement ça, j'aime beaucoup ce dégradé de couleur, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire mes sahabis. D'ailleurs bienvenue à mes nouveaux sahabs qui sont arrivés dans la TV des Data. Si vous pouviez vous faire une petite présentation, ça me ferait bien plaisir en commentaire. Présente-toi, dis-moi d'où tu viens, comment t'appelles, tu vois ce que je veux dire. Ça me ferait merci aux sahabs qui me laissent des commentaires, qui me mettent des likes, qui me mettent des likes pas. Ça fait plaisir parce qu'en plus pour l'algorithme, ça compte énormément. Donc je vous remercie beaucoup de me soutenir, de regarder des pubs sur Utip. Tout ça, vraiment, vous êtes trop mignons. Donc je vais ensuite passer au coupage de paupières. Et après, je vais essayer de prendre une couleur que j'utilise pas encore d'habitude. Pour l'instant, on est vraiment pas mal. Donc je reprends le pinceau, il y avait du marron, et je viens estomper les bords. Je pense que je vais en remettre une petite couche. Ou pas. Je sais pas, je verrai après. On est pas mal. J'ai pris un tout petit peu de marron Rilchoya et je vais en rajouter un petit peu ici. Pour assombrir. Donc ensuite, j'ai envie de faire un truc. Je sais pas si je vais tout foirer ou... Donc déjà, je prends le jaune et je vais en mettre là. Après je vais prendre le Pep Talk de la palette, c'est un rose clair mais flashy, tu vois. Comme il m'appelle, je vais répondre à son appel. Parce que je sais pas, il m'appelle, il me dit viens boire, meule-moi sur ta pop. Donc tu vois. Bon, ça c'est fait, jusqu'ici tout va bien. On va prendre celui-là, le Pep Talk. Et je vais le mettre là pour voir. Pas forcément une mauvaise idée. Et c'est pas une couleur que je mets du tout. Donc c'est pour rester dans mon thème make-up avec des couleurs que j'utilise pas. Tu vois, sinon c'est pas drôle. Sinon c'est pas drôle. Et franchement, ça passe. Ça passe et ça me réconcilie avec le rose. Parce qu'il est mignonnette ce rose. Merci à mon haut qui m'a inspiré ce make-up. Moi j'aime bien, ça apporte de la fraîcheur, je trouve. Ah ouais, putain, j'ai des idées des fois dans ma tête, dans mon ciboulot. Ah, j'adore ce mélange. J'adore ce mélange. J'adore ce mélange. Ça y est, je pète un câble. Ah, j'aime beaucoup trop. J'ai bien fait, franchement, il m'a appelé. Oh, je le kiffe, il m'a appelé, franchement, j'ai bien fait de répondre au coup de fil. La vie de ma paupière. Oh, j'adore. Oh ouais, je suis grave fan. Vous êtes fan, mes sahabis, ou Léla? Oh, j'adore. Ouh, ça sort de mon cerveau, ça, s'il te plaît. Allô. Ensuite, je vais reprendre. Est-ce que je prendrai pas celui-là le plus chaud? Non, je prends toujours le haul. Michi, il est en train de taper la disquette avec Yapri. J'aime trop. J'aime trop. Et vous m'avez demandé des make-up sans liner. Je suis pas fan de ce genre de make-up. Je trouve que ça me va pas. Mais promis, je vais essayer en plus. Franchement, si vous en cherchez des beaux, il y a Danisha qui fait des make-up sans liner qui sont juste dingues. Ils sont magnifiques. Un jour, je vais essayer de reproduire un de ces tutos. Je vais voir ce que ça dit sur ma pomme. Parce que franchement, c'est magnifique. Bravo à toi. Vraiment, c'est très très beau. Donc, qu'est-ce que je vais foutre ici, là? Je vais mettre celui-là parce que c'est moins dangereux. C'est un highlighter. Comme il y a un peu de doré dedans, ça fait plaisir. Voilà, là au moins je prends pas de risque, je défonce pas mon make-up. Il est magnifique cet highlighter. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mis d'ailleurs. Parce que c'est... il y a des périodes comme ça, on a envie d'en mettre, il y a des périodes où on n'a pas envie, tu vois, c'est humain. Oh, j'adore ce mélange. Franchement, je suis grave gassée. Je me suis bien rattrapée par rapport à hier ou pas, mais ça oui. J'en mets aussi ici parce que c'est magnifique. Tac. Enfin, pour ma part. Hein. J'aime trop ce make-up. Je vais venir. Je vais prendre du jaune pour un peu repimper le dessus de ma paupière. Ouais, mais c'est mieux, tu l'essuies mieux, meuf. Sinon tu vas tout niquer, après tu vas être énervé, après tu vas être énervé. Et il y a aussi une sahabée qui m'a dit que je serais tellement mieux en brune, bah, je suis pas d'accord avec toi.
En ce qui concerne mes racines, je pense que je vais les faire ce week-end avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez, mes petits sahbis? Surtout que j'ai reçu mes deux patines et j'ai mon sahab putain, merde, c'est quoi son pseudo déjà? Ah, je me rappelle plus, je vous le mettrai en barre d'infos, qui m'a vachement aidé. Il a fait une vidéo sur les patines Fanola qui est très intéressante. Donc je vous invite à aller la voir parce que c'est très intéressant. Et il a bien expliqué. Donc je pense que mes racines, je les ferai ce week-end avec vous si j'ai la motive. Donc voilà. Parce que plus je me regarde, plus j'ai envie de toucher à mes vœux. Et Magali est en confinement. Donc voilà quoi, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas coiffeuse. D'ailleurs, quand vous me demandez des conseils, mais ça, je suis au bout de ma carrière à chaque fois parce que je suis pas coloriste. La colorimétrie, c'est très dangereux. C'est un métier. Moi j'ai fait des expériences de mhabil sur ma tête depuis des années. C'est pour ça que je saurais répondre à quelques questions. Mais chaque cheveu est différent. On n'a pas la même base. C'est compliqué, surtout pour devenir blonde. Ça donnera pas le même résultat sur une fille qui a un cheveu qui est pas coloré, sur une autre qui a les cheveux colorés. Voilà quoi, ça donnera pas le même résultat. Donc je peux pas trop vous aider là dessus et ça me fait chier. Je sais pas comment elle fait, ma soeur, pour se maquiller en même temps qu'elle jacte. Je rate mon liner à chaque fois que je jacte. Ah, j'aime trop. Ah, je kiffe. Je kiffe ma vie d'artiste. Donc, en rouge à lèvres, j'ai mis le... C'est un mat de chez Yves Rocher, le 150. Bon, c'est pas celui qui va le mieux avec le make-up, mais j'avais envie. Ouais, vas-y. Donc je vais restomper vite fait un peu parce que je prends trop la confiance sur les côtés et après on va passer à la coiffure. Je vais restomper un peu ici parce que j'ai un peu resté la fille de ménage. Donc ensuite, on va passer à la coiffure. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que, en fait, je vais séparer ma tête. C'est pas très droit et tout, c'est parce que je le fais un peu à l'arrache. C'est un peu compliqué. Donc, tac, là. On va jusqu'à là. Toute cette partie, on la met de côté. Si j'y arrive. Voilà, donc toute cette partie on la met de côté. Hop. Et en fait de chaque côté on va venir faire des tresses collées. Donc ça c'est un coup de main à prendre les filles. Alors on prend une section, tu prends trois brins et on va commencer par la mèche d'en haut. Tac, tac. Tu reprends une toute petite section en haut. Et on continue. Je vais pas ralentir à chaque fois la vidéo parce que ça fait long après. Mais j'espère que vous comprenez un peu le principe. Mon chéri m'a dit que le make-up était joli, ça fait plaisir. Donc on en est là. Bon, je les ai un peu mal faites parce que c'est chiant, je vois rien, donc c'est chiant. Normalement elles sont beaucoup plus hautes les tresses, mais c'est pas grave, on va essayer de faire un truc que ça marche quand même. Donc normalement la coiffure, ensuite tu plaques tout ça et on va se servir, alors, je sais pas trop comment ça s'appelle, hein, ce bourbier, on va se servir d'attache. Je sais pas trop, ma copine Christine les avait achetées, c'est elle qui me les a données. Pourquoi j'ai crié, on sait pas. C'est des attaches comme ça, avec des crochets. Sinon, je pense que vous pouvez en trouver sur Amazon ou quoi, ça se trouve partout. Et du coup, on va se servir des tresses pour bloquer toute cette partie de Shahar. T'as compris ou t'as pas compris? Attends, je vais te montrer. Putain, c'est quoi cette bête?
Et en fait, tu vois, tu vas bloquer un crochet dans une tresse ici. Et tu vas venir tirer pour accrocher de l'autre déco. En même temps, ça te fera un lifting gratuit, pas cher, tu vois. Et tu continues sur toute la longueur. Alors attends, je vais le faire. Et je vous montre après. Et je vais essayer de rapprocher un peu les tresses. Alors attends, tac. Je sais pas si vous allez voir, j'espère. Donc, ensuite, celui-là, il est là. C'est vraiment le lifting, le lifting. Hein. On est des barres. Ça m'a lifté la gueule. Donc, doublant la coiffure aujourd'hui, mes amis. Chirurgie de pauvrette. Donc, on fait ça pour la dernière section. Tac. Voilà, on laisse la dernière section ici. Alors, vous pouvez faire une queue de cheval après ou laisser comme ça. C'est très joli, moi, je trouve. Et là, on va venir, tu vois, apporter du volume de la matière. Il commence à m'attirer les yeux. C'est un truc de ouf, je kiffe. Attends. Donc, tu apportes du volume ici. Voilà, ensuite on met de la laque pour fixer un peu. J'aime trop cette coiffure. Franchement, j'aime trop. J'espère que vous la kifferez autant que moi, autant que ce make-up. Ça fait plaisir aujourd'hui, j'ai été vachement créative. Sartek, Nathalie. Sartek, Nathalie. Attends, hop. Tu peux faire une queue de cheval aussi, c'est très joli. Franchement, mais moi je vais laisser lâcher comme ça. J'aime beaucoup trop cette coiffure. Liftant, glamour, tu vois ce que je veux dire. J'aime trop. La parole, ça va être mon titre. Ce qui est coiffure liftant. C'est la vérité, wesh. T'es ma mes yeux, ça m'a fait des yeux de chenard, moi j'adore. J'aime beaucoup trop. Donc j'espère que la vidéo d'aujourd'hui sera plus sympathique qu'hier en termes d'artiste make-up que je suis à mi-temps. Hein. J'espère que vous allez kiffer, franchement moi je kiffe, j'aime trop et ça me plaît particulièrement. En ce qui concerne mes cheveux, mes amis, ce week-end, normalement ce week-end si j'ai la forme, je vous ferai une vidéo sur mes produits finis et sur les produits que j'ai utilisés pour faire pousser mes cheveux. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un like pour m'encourager à trouver de la pêche, tu vois. Ça sera les vidéos bonus du week-end et je vais sans doute faire mes racines avec vous. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo pour m'encourager. Ah ouais, quand je vois ça, tu vois, on dirait un renard, wesh. Mais ils sont grave poussés mes cheveux, c'est un délire. Hein. Donc je le ferai bien avec vous, ça. Parce que plus je regarde mes cheveux, plus j'ai envie d'y toucher. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'importe quoi, si je peux vous aider, je le ferai avec tout mon amour. Sauf ce qui concerne mon travail, la pose d'extension. Je n'expliquerai pas la pose d'extension, c'est pas un truc qui s'apprend du jour au lendemain. Bref, et un jour dans ma carrière, j'espère faire des formations pour les extensions de cheveux. Donc je vais pas expliquer mon taf. C'est comme si tu demandes au boulanger du quartier sa recette de gâteau qui vend le plus. C'est exactement pareil, tu vois. Bref, voilà. Donc j'en ai fini pour aujourd'hui mes sahbis. Et si je peux vous aider pour des couleurs, si c'est dans mes compétences, oui. Mais je suis pas coloriste encore une fois. Donc je pourrais pas être archi efficace, tu vois. Et ça me frustre un peu, beaucoup. Mais c'est comme ça, chacun son taf. Tu vois ce que je veux dire. Bref, salam alaikum les jeunes, je vais faire mon sport. Merci à ceux qui me soutiennent et mettent des likes sur mes vidéos sport. Et qui me laissent des commentaires d'amour. Trop mignons, vous êtes trop mignons, vraiment. J'ai de la chance de vous avoir. Merci beaucoup. Salam alaikum les jeunes, prenez soin de vous. Je kiffe ma gueule aujourd'hui, c'est un truc du fou.